Allez-y, oui. Mais pas trop loin non, non plus. Non, je vais pas trop loin. Vous allez juste derrière là. Bah, je vais là. Sur la scène. J'y vais. Voilà. Je vais sur la scène, exactement. Julie Poirier vous attend. Rejoindre Julie Poirier. Oh là là, regardez comme Paris est magnifique. Ce beau soleil. Bonjour Julie. Alors ce matin, on est très très loin de la croisière touristique. Vous partez en mission avec la brigade fluviale de Paris, autrement dit, la police de la Seine. Oui, exactement. Julia, regardez ce matin. Quel beau paysage, quel magnifique. Beau décor pour vous parler de cette équipe. Alors, cette brigade est née en 1900 et c'était à l'époque le préfet de police, Louis Lépine, qui l'a créée. C'était pour l'exposition universelle. Aujourd'hui, 90 agents qui veillent sur les voies navigables de l'Île-de-France. Et est-ce que vous savez à peu près combien il y a de kilomètres en Île-de-France d'eau à surveiller ? Jean-Baptiste, aidez-moi. Beaucoup. Beaucoup. Je ne sais pas. On ne sait pas. Allez, c'est à peu près 5000 kilomètres. Donc, ah je oui. peux vous dire qu'il y a du travail. Bon, et dites-moi, la mission, justement, de la brigade fluviale, c'est quoi? La majorité du temps, ce sont les sauvetages, non? Oui, ce sont les sauvetages. Alors, tenez-vous bien, avec près de 200 interventions par an en moyenne. Alors, pour tout type de sauvetage, ça veut dire qu'il faut un entraînement quotidien. Philippe, c'est ça, les hommes sont à l'eau tous les jours. Température de l'eau aujourd'hui? Aujourd'hui, on est aux alentours de 10 degrés. Wow. Et, température extérieure, facile. 7 degrés. Donc, oui, malgré une température un peu plus fraîche dans l'eau, il fait meilleur quand même. Alors, on les voit, vos hommes, là. On les voit, ils sont derrière. Regardez, ils sont en train de s'entraîner à la nage. C'est important d'être tous les jours dans l'eau et de nager. Pourquoi? C'est pas la piscine du coin de la rue, on est d'accord, là? Alors là, on est bien d'accord, c'est pas la piscine du coin de la rue. Dans le cadre du sauvetage à personne, on s'entraîne quotidiennement. Aujourd'hui, on est parti sur une nage d'environ une heure. On est plus sur de l'entraînement foncier aujourd'hui. Demain, ça sera plus peut-être du technique, du secourisme. Mais en ce qui nous occupe aujourd'hui, là, on est sur de la nage, entraînement foncier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut appréhender les éléments naturels, parce que dans la Seine, il y a du courant. Donc, il faut apprendre à connaître ça. En effet. On s'entraîne quotidiennement afin de ne pas être perturbé le jour où on va devoir se mettre à l'eau. On répète ces gestes 1000 fois. On se met à l'eau, on n'est pas pour ne pas perdre le contact avec le froid, pour ne pas perdre le contact avec les dangers qui pourraient se trouver en Seine. La navigation, le courant, la température. Quand on part sur un sauvetage à personne, la seule chose qu'on tente d'avoir en tête, c'est le sauvetage, les gestes techniques. Et tout ce qui pourrait perturber ce sauvetage doit être travaillé en amont. Donc c'est pour ça que quotidiennement, on se met à l'eau. Ça y va derrière, on les voit nager. Oui, regardez, c'est impressionnant. Major, je vous remets... brigadier chef, pardon, je vous remets vos affaires parce que les hommes sont à l'eau, il faudrait peut-être penser à y aller aussi, hein, je ne voudrais pas dire. Quoi. Juste un petit mot quand même, sachez, Julia et Jean-Baptiste, que si vous passez sur les ponts de Paris et que vous devez, vous voyez une personne en détresse, il y a des petites pancartes avec des numéros et vous pouvez appeler directement la brigade fluviale. Est-ce que parmi les prérogatives de la brigade fluviale, il y a aussi le contrôle de circulation des péniches, Julie? Oui, exactement, Julia, parce que vous savez, le commerce, en tout cas sur les péniches, a augmenté de plus de 25% depuis quelques années. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de circulation et ça fait partie des autres prérogatives, n'est-ce pas, Major? Tout à fait. Les autres prérogatives, c'est la surveillance des voies fluviales avec l'augmentation, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi des bateaux à passagers. Donc notre rôle, c'est aussi de s'assurer que tout se passe bien en contrôlant tous ces bâtiments qui naviguent. Et puis parfois en les sanctionnant si les règles ne sont pas respectées pour que tout se passe du mieux possible et qu'il n'y ait pas d'accident. C'est pareil, il y a beaucoup d'interventions, au quotidien ou pas ? Au quotidien, oui, on a énormément d'interventions. Alors voilà, Philippe, il est parti s'entraîner. Allez, comme vous lui avez demandé. Hein. Je suis prêt, donc on peut y aller. Salut. Allez, Philippe. Je vous en prie. ça fait partie vraiment de tout. Et Philippe, il y va sous vos yeux, regardez, et on est en train. 10 degrés. Et hop, c'est parti. C'est tout simple, hein, finalement. Bah, allez-y, ça paraît tout simple, c'est tout mais simple. C'est pas simple du tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Ne pas se mettre à l'eau dans la Seine ou dans tout cours d'eau parce que c'est extrêmement dangereux, c'est pas la piscine. Il y a des courants, il y a le froid qui peut vous saisir, il faut pas jouer avec ça. Est-ce que les gens sont toujours plutôt sympathiques avec la brigade fluviale, la police de la brigade fluviale? C'est toujours un grand moment quand on vous voit aller
Tout à fait. Alors même si on fait partie d'une grande direction qui est la DOPC, qui s'occupe aussi du maintien de l'ordre, etc., nous, on est plus dans l'aspect surveillance, bienveillance, sauvetage. Donc les gens nous font souvent salut. On a une bonne image depuis les quais. Les gens sont très sympathiques avec nous, oui. Et puis depuis ce matin, Julia et Jean-Baptiste, on a l'impression d'être dans un film parce que vous savez aussi que la police, enfin la brigade fluviale collabore aussi avec la police judiciaire et parfois ils sont amenés à faire... Il y a des enquêtes ou des recherches avec les plongeurs pour aller rechercher des armes ou des choses qui auraient pu être jetées dans l'eau. Voilà, c'est un tout petit bout de l'histoire. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir cette brigade fluviale.